Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Tiny Magnus Hero Hobby QA01, qui est une petite version déformée chibi de Ultra Magnus. Toujours transformable, donc ce qui est vraiment super. C'est la raison pourquoi je la prends. J'adore les petites figurines très déformées qui apportent un petit nouveau côté et la façon que la transformation fonctionne toujours, ayant pareil un tout petit corps et une très grosse tête. Je trouve ça formidable. Donc, cette petite ligne-là, il n'y en a pas beaucoup de sorties sur le marché présentement, mais j'adore ça. Et il ne m'en manque qu'un seul de Hero Hobby, celui-ci est 01. Et je crois que le 02 est en fait Grimlock, et qui se transforme toujours. Et avoir la qualité de lui, je vais probablement essayer de me dénicher le Grimlock Chibi pour aller avec mes autres figurines Transformers Chibi. Donc, ouais, hein, la boîte, rien en dessous. Un visage de Magnus qui crie sur le côté. Magnus un peu plus calme de l'autre côté. Et derrière, nous avons une petite photo de Magnus en mode robot, le mode véhicule. Et ici, l'accessoire du Matrix qui est montré sur son... sur sa poitrine. On a des trucs Lego, attention, pas rien avaler, c'est dangereux, ça peut tout exploser, mais bref. Ouvrons la boîte et prenons votre temps. Et à l'intérieur, nous avons les instructions. Instructions quand même bien faites, mais la transformation est relativement simple, donc pas eu énormément de besoin. Ici, on explique que le canon se transforme en marteau. Hein, que les missiles s'attachent ici, la gimmick de changement de visage, transformation de la tête, transformation, et le mode véhicule juste ici. Puis il montre aussi la matrice qui est cachée dans sa poitrine, les missiles qui peuvent s'éjecter, et l'autre figurine de Grimlock juste ici. Donc, ouais, quand même Ultra Magnus, superbe figurine. Les accessoires, ça vient avec son gros canon. Fusil qui est quasiment aussi gros que la figurine, dans le fond. Donc, un gros canon avec un baril en dessous. Ça ressemble à rien à ce que j'ai déjà vu de Magnus dans le temps. Mais bref, la petite gimmick avec ce canon, c'est que si on tire ici, on peut ramener vers le bas et repousser ça ici, comme ça. Ça devient un petit marteau. Donc, c'est pas mal ça. Personnellement, le marteau ne fonctionne pas très bien. De misère à la tenir, mais sinon, le canon, lui, fonctionne très bien. On a un baril bleu ici. Une partie translucide ici que je sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne rien en tout. C'est juste ça. On a une poignée gris, un stock gris ici, des tubes gris ici. Donc, quand même bien détaillé pour une petite figurine qui a un gros canon. On met de côté. Et nous avons aussi des petits missiles pour mettre sur ses épaules. Chose ici, c'est... les missiles peuvent s'enlever, mais ils sont lous à l'intérieur. Ils tiennent parfaitement bien. On a un tout petit mécanisme ici avec un petit bouton qui fait rien. Il n'y a aucun spring si on enlève un des missiles ici, quand même bien détaillé. À l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais... ça fait rien. Et un petit poussoir, mais ça pousse même pas le missile en dehors de le socket. C'était... ah ben oui, non, lui vient marcher là. Faut vraiment le pousser dans le fond. Bref, c'est ouais. Probablement que je le faisais avec l'autre parce que ouais, c'est très difficile, mais ça fonctionne. Mais ouais, les missiles qui s'enlèvent, attention danger, pas l'avaler et les perdre. Donc et maintenant, nous avons un Magnus dans sa bubble. Donc, sortons-le, jetons. On sort Magnus et on jette. Première chose qui nous vient à l'esprit quand on sort la figurine, putain qu'elle est lourde. Il y a beaucoup de métal à l'intérieur de cette figurine-là. Et bien qu'elle est toute petite, elle est vraiment lourde. On a tous les pieds sont en métal. D'autres parties, on y reviendra. Les panneaux ici sont en métal. En tout cas, la figurine elle-même est vraiment lourde et solide. Sortie de la boîte, on vient ici juste tirer les antennes et tirer sur le crest ici. Donc, voilà. C'est juste transformation à compléter quand on sort de la boîte.
On peut lui rajouter ses pods sur les bras. Voilà. De l'autre côté. Voilà. On peut lui mettre son canon à la main. On va un petit peu les doigts. On met le canon, on serre la main. Voilà. Il tient quand même bien. Très bien son canon. Par contre, le marteau est beaucoup plus difficile à le faire tenir. Transforme. À cause du petit truc ici. Donc, ça va mieux de tourner la main et tourner le bras comme ça. Là, on va avoir un petit peu plus de facilité. On vient lui mettre le canon dans la main. Comme je dis, c'est assez difficile. Oup, on vient de perdre le canon. Donc, on remet ça. On remet ça. Et on serre le tout. Voilà. Donc, comme je dis, le marteau est un petit peu plus funky. Un petit peu plus loose dans sa main. Il y a un peu plus de misère à le tenir. C'est un petit peu dommage, mais bon. On met de côté. Articulation. La tête est sur un pivot. Oh, les antennes descendent. La tête est sur un ball joint. Donc, elle peut pivoter tous les sens, tous les côtés. Et même rotater. On a le bras sur un ball joint. Et aussi un petit ratchet. À l'ouverture, comme ça. On a un pivot ici au bras et un double joint au coude. Donc comme ça, qui est quand même pas mal. La main peut tourner et les doigts peuvent ouvrir comme ça. On a une articulation à la taille. Les jambes peuvent faire la split comme ça. C'est un soft ratchet à l'extérieur qui... On le sent mais on l'entend pas tellement. la jambe peut pivoter par l'arrière en avant. Et ça, c'est un autre ratchet un peu plus solide. Par en arrière. Par en avant. Hop, on vient de perdre ici. Une des bottes. Et le genou plie 90 degrés. On a un petit pivot à l'orteil qui peut monter, descendre et pivoter sur les côtés un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc, ouais, quand même, figurine très articulée, très belle. Vraiment étonnante pour... si petite figurine. On peut faire ici une comparaison avec le Primar de TFC, je crois, qui ont fait cette série. Primar Optimus Prime. Nous avons ici le Jazz Chibi. Nous avons ici le Roadbuster Chibi. Et ma dernière, qui est le Hercules de TFC. Qui est, ouais, un autre chibi avec ses petits yeux lumineux. Le Primar aussi avait les yeux qui illuminaient, mais ouais, la batterie est très faible. Et on peut Roadbuster aussi, mais lui n'a jamais eu de batterie à l'intérieur, il fallait les installer nous-mêmes. Et j'en ai pas, donc j'en ai jamais mis. On remet de côté. Jazz. Petite gimmick ici, c'est sa matrice. On peut venir ouvrir, descendre ici. On vient tirer sur les vitres vers l'avant, comme cela, et on ouvre. Et à l'intérieur, juste ici, nous avons notre petit panneau et la matrice qui est cachée à l'intérieur. On peut enlever la matrice, elle s'enlève. Donc, très miniature. C'est un focus. Ouais. Donc très miniature. Et revenir lui remettre. Oups. Voilà, on referme le panneau, on referme les vitres, on referme le tout, on referme aussi. Et voilà. Autre petite gimmick, et celle-ci est nécessaire pour la transformation. Le visage ici, qui est avec la bouche ouverte, est actuellement la deuxième figure qu'on peut lui mettre. Pour la transformation, il faut absolument venir avec la bouche fermée. Sinon, si on ouvre ici, le visage à bouche fermée est vers le bas, juste ici. Tandis que la bouche ouverte remonte à l'intérieur ici, à l'intérieur du casque. Et étant comme ça, ce visage-là ne bloquera pas accès ici pour les oreilles. On peut voir un petit mécanisme des oreilles qui rentre à l'intérieur,
quand on le transforme, il faut les rentrer et ce visage-là va bloquer les antennes, donc va bloquer la transformation de la tête. Donc, très important. On referme, on rouvre le crest, on rouvre les antennes. Donc, on a ici Magnus avec la bouche fermée. Un petit peu plus sérieux. Donc, quand même, superbe. Un beau petit backpack en arrière, quand même pas trop encombrant. Puis l'articulé, pas de jambes vides, ce qui est excellent. Donc, ouais, on peut passer maintenant à la transformation. Tout d'abord, enlever ses missiles. Ensuite, tirer sur les bras pour que ça soit flush avec l'épaule, comme ça. Et même chose pour la main ici, jusqu'à ce que ça clip. Donc, on vient pousser le bras, comme ça, et la main. Faites juste vous assurer que la main est bien droite. Sinon, ça va bloquer et ne rentrera pas à l'intérieur. Donc, on a les grandes mains sorties ici. On vient ouvrir le capot. Et juste en ouvrant le capot, ça défait tout ça ici. Donc, on peut tirer ça. Et juste à l'arrière, il y a un petit slider. On vient glisser vers le haut. Gros, faites très attention ici. La petite vis qui tient le tout, c'est la vis qui tient la remorque au tracteur en avant. Cette vis-là, à la toute première transformation, elle est sur un élastique, pas un élastique, mais un ressort juste en arrière qui force un petit peu, comme ça, avec un ressort. À la toute première transformation, la vis a été éjectée pendant ma transformation, et quand j'ai essayé de la remettre, ça vissait pas, ça mordait pas. Le fait que la vis a complètement été éjectée a tout strippé. Le tube dans lequel elle est vissée à l'intérieur, donc il n'y avait plus de mordure pour tenir la vis. Donc j'ai utilisé de la colle, j'ai remis la vis, j'ai collé la vis à l'intérieur du trou. Donc ouais, faites très attention avec ça, ça a été très sensible de mon côté. Donc on relève le câble et on le bloque. Comme ça, il est comme croche, les roues ici, on relève. Et ça vient barrer ensemble ici. Oui, tout est blurry. Désolé. On vient pivoter le câble comme cela, ici. On lève le pare-choc comme ça. On le pivote comme ça. Et on le referme comme ça. Et il y a deux petits pegs ici qui vont venir se brancher sous les fenêtres. Comme ça. On lève les roues ici jusqu'à ce qu'ils clipent. Comme ça. Comme ça. Et on a un gros trou vide pour cacher la tête à l'intérieur. Maintenant, où le câble ici qui peut pivoter, la partie blanche, on veut la tenir ici. Et on vient tirer le câble au complet, comme cela. Il y a deux sliders, des bars sliders ici. On lève les panneaux ici. Et maintenant, on rentre les oreilles à l'intérieur. On rentre ici. Et on ferme le crest, comme ça. Et maintenant, on peut pivoter la tête jusqu'à l'intérieur. On va avoir un petit peu de misère parce que ça reste bloqué partout. Voilà. Assurez-vous que la tête est droite. On revient ici. On referme comme cela. Et ouais. On voit ici que le crest, il rentre à l'intérieur du trailer ici. Qui est parfait. On ferme les panneaux ici pour barrer le tout. On a des petits sliders juste ici en arrière. Un petit peu dur à voir avec la caméra. Les petits sliders, on lève et les cheminées vont sortir. Comme cela. Et nous avons terminé avec le câble avant. Et pour le trailer maintenant, on ferme le plastron comme cela. On lève les bras dans les airs comme cela. Et on les fait pivoter ici. On fait pivoter. Maintenant, on peut venir brancher les bras ensemble. Et les mains, comme ça. Et pour le derrière maintenant, on vient mettre la jambe droite le plus possible. Comme cela. Entre les jambes ici, on a des petits panneaux rouges. On lève le panneau rouge et en levant le panneau rouge, on voit ici que ça libère la roue. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On lève, on libère la roue. Et on peut maintenant pivoter la jambe comme cela. On peut voir ici un autre petit slider. Il faut rentrer la jambe à l'intérieur complètement. Voilà, même chose de l'autre côté. Petit slider, on collapse la jambe.
Et voilà. Maintenant, on lève les panneaux rouges ici et on les déplie. Et on peut voir ici un petit trou juste en haut. Et ici, il y a un petit crochet qui va venir se brancher à l'intérieur. Comme cela. Même chose de l'autre côté. On déplie le panneau rouge, on pivote vers l'avant et on ramène juste ici et on branche. Comme cela. Maintenant, entre les jambes, il y a des petits pegs gris. Un petit embrouillé. Et sur la fourche, un petit peu dur à voir, mais il y a d'autres petits coches que l'on vient brancher les jambes à l'intérieur, comme cela. Comme cela. Si les panneaux ici se sont enlevés, remettez-les. C'est des trucs qui vont arriver assez régulièrement. Et voilà. On a un autre petit peg rouge juste ici, entre le plastron et la taille, qui vont venir se brancher à l'intérieur des jambes, juste ici, un petit trou. Donc, on vient brancher comme ça. Comme ça. Et maintenant, les jambes sont complètement faites. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est les bras. Ici, il y a des petits pegs qui vont venir se brancher à l'intérieur des genoux. Juste ici, un tout petit trou. On peut voir tranquillement. Ouais. Donc, on vient rabaisser les bras et on rentre les mains. Les pegs des mains là. Et on fait la chose de l'autre côté. Et, ah, il est déjà branché. C'est parfait. Et voilà, nous avons maintenant le camion remorque tout transformé et prêt. Bien sûr, il roule, ce qui est vraiment bien. On peut lui mettre ses pods de missiles. Voilà. Un de fait. Un autre de fait. Voilà. Un petit peu serré. Malheureusement, j'ai pas trouvé aucun trou ou d'endroit pour mettre le canon. On peut le déposer ici, mais c'est pas fait pour ça. Donc, malheureusement, rien pour le canon. Mais bref, pour le camion, qui est vraiment bien. On a une petite articulation ici pour la remorque. Sinon, ouais, c'est vraiment très bien. Quand même très solide. Pas rien qui se défait facilement. Peut-être juste les cheminées ici qui sont très lousses. Donc, il faut venir les ajuster régulièrement. Mais sinon, quand même superbe. Beau petit véhicule. Avec les vitres translucides. Les lumières translucides. Derrière ici. Avec des petites lumières clignotantes. Ben, elles sont pas clignotantes, mais pour les clignotantes, c'est orange et translucide. Donc, superbe petit camion. Avec une petite comparaison rapide. Voici Optimus Primar, qui est en mode, ben, le chibi en mode camion. Nous avons Jazz juste ici. Nous avons le chibi Roadbuster juste ici. Et ben, j'ai pas transformé le Hercules, puisque le Hercules est quand même très différent. Il se transforme pas en un véhicule et plusieurs petits véhicules normaux et non pas chibi-esque. Donc, ça vaut pas la peine de montrer. Mais bref, belle petite collection de camions chibi, tous transformables que j'adore. Et je vais tenter de mettre la main sur le petit Grimlock pour la prochaine fois. Donc, ouais. Donc, Hero Hobby QA01 Tiny Magnus. Superbe petite acquisition. Je sais que c'est pas pour tout le monde et que ça n'a pas une échelle déterminée comme les Masterpiece ou les Chug ou peu importe. Mais moi, j'adore quand que les Transformers font les petits trucs spéciaux. Et juste le fait que c'est quand même un Transformer chibi, donc une grosse tête et un petit corps qui est quand même capable de se transformer sans aucun problème. Moi, j'adore et je recommande fortement. Donc, ouais, merci d'avoir écouté. À la prochaine.